un rond avec deux yeux et un grand sourire, voici Kirby. Après Mario et Sonic, il est temps de consacrer un oscillation à l'une des aventures de la mascotte du HAL Laboratory. Voyons de plus près Kirby's Adventure, sorti pour Famicom en 1992 et pour Nintendo en 1993. Au niveau graphique, le jeu exploite quasiment à la perfection les possibilités de la console. Sur le plan musical, les compositeurs Ando Hirokazu et Ishikawa Jun se sont dépassés en créant pour les différents niveaux du jeu une musique joyeuse, optimiste, comique et surtout hyperactive. Dès le début du jeu, on peut ainsi entendre une marche très rapide et pleine de bonne humeur. Le morceau est tellement rapide d'ailleurs que le rythme de marche sur lequel il est basé est totalement méconnaissable. Presque toutes les musiques du jeu sont ainsi agitées et sans répit. En voici quelques autres exemples. Le caractère très joyeux de la musique souligne sans aucun doute l'univers rose bonbon de Kirby, tandis que la rapidité représente l'agitation du personnage, qui doit constamment courir, marcher, voler, aspirer, avaler, changer de pouvoir et qui, tout comme la musique, ne s'arrête jamais. Dans la bande originale de Kirby's Adventure, on peut trouver des rythmes latins, comme par exemple dans ce niveau. On peut également entendre des éléments de jazz et de rock'n'roll rappelant vaguement la musique des aventures de Mario. Mais plus encore que par la musique des niveaux, le jeu est dominé par tous les autres sons qui constituent sa bande originale. En effet, dans ses déplacements et agitations, Kirby produit constamment des bruitages de tout genre, ce qui a parfois pour résultat que la musique passe carrément en arrière-plan. Ainsi, on retiendra particulièrement bien les sons d'une vie gagnée, d'une transformation de pouvoir, d'un saut ou d'une porte. On retiendra également les petites musiques accompagnant l'invincibilité, une vie perdue, une fin de niveau, le niveau bonus et la machine à attraper les peluches. La bande originale de Kirby's Adventure est hors du commun. Mis à part ses musiques de niveau euphorique, rappelant d'ailleurs les thèmes des aventures de Lolo, elle marque surtout les esprits par son arsenal impressionnant de bruitages et de petits motifs musicaux accompagnant les nombreux événements du jeu. Ando Hirokazu et Ishikawa Jun montrent ainsi qu'être compositeur pour un jeu vidéo ne se résume pas à la création de beaux thèmes, mais aussi et surtout à la fabrication de tout un univers sonore en parfait accord avec le caractère du jeu.